Salutations tout le monde. On a dit gros bonjour, gros bonsoir. Ça dépend qui l'a regardé le programme ça. Nous comptons que vous toujours branché avec nous et que là, je dis, dans l'occasion, programme spécial, ça. Nous, le programme spécial Facebook, ça, parce que c'est un autre format, un autre style. Il y a plus de présentation et beaucoup plus technique. Vous avez avec nous, un assistant, c'est un technicien qui est avec nous. C'est Fred Kaimit, lui-même, qui a aidé à mettre l'émission ça, permettre l'émission ça, venir la caille. Donc, c'est un autre format que nous avons pu essayer, capable de mettre dans l'application. Et très certainement, capable de regarder Facebook et live, et t'y causer avec Jean-Roi, une autre façon, une autre vision, les napotibao. Information que très certainement, besoin qu'on ait, mais qu'on connaît déjà, ou bien encore, ou besoin encore rafraîchir mémoire. N'a pas avec grand pour cap dominer l'actualité. D'abord, on a commencé au point qui commençait et décision que l'administration américaine prend. Pour les sanctionner, imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est des sanctions qu'elle prend, justement, d'après l'administration, hein, et bien c'est pour, justement, et contrecarrer ou bien encore punir le président russe Vladimir Poutine pour d'abord la mort du leader opposition Alexei Navalny. Et ça a duré pratiquement 8 jours depuis sa arrivée. Et puis pour tout corps, on a rentré dans la deuxième année depuis la Russie t'es envahi l'Ukraine. On a dit en parlant de l'Albanie, maman l'Albanie dit que d'abord le président Joe Biden dans San Francisco, il était rencontré avec deux membres de famille et qui déclaration maman Biden dit oui, il a fait le cadavre là, mais il n'a pas voulu le cadavre là. Et lui-même, ça a besoin de cadavre petit pour le cadavre enterré, mais au moment donné, il faut que le fasse enterrement en secret. Ça que lui-même lui parle. N'a pas aller non l'autre grand point qui s'est abdominé en actualité à c'est dans le pays d'Haïti côté que nous rappelons que juge instructeur Walter Wessé-Voltaire qui t'a enquêté ou bien qui t'a enquêté sous assassinat président Jovenel Moïse là et bien pratiquement il fait sortir ordonnance lui qui n'ont pas mis temps de prendre la rue sans et aucune authentification, pas de gain sceau, pas de gain signature là-dedans. Mais finalement, après tant de démarches, etc., il y a un avocat qui a défendu la première dame, non, ancien première dame, non, Martine Moïse. Il ne finit pas joindre, il ne finit pas apprendre que le dossier a finalement arrivé devant Parquet. Donc, ça veut dire que gon huissier qui recevra, le chef Parquet a reçu, chef huissier a recevra, donc il n'a jamais arrêté seulement décision finale. Mais entre-temps, comme information était déjà prise là, eh bien, il y a un pile non qui cité dans le rapport ça, parmi eux, première dame, non, qui est censé que le juge l'a avoué devant le tribunal, donc qui est inculpé, inculpé par le dire coupable. Mais tout gagné, ancien directeur de police nationale là, Léon Charles, qui c'est actuel, alors qui était actuel, et ambassadeur d'Haïti dans l'EA, eh bien, et rapport ça, et tollé ça fait, eh bien, ancien ambassadeur Haïti dans l'EA, Léon Charles, li krason ki te sal, ki te li demisyone, justement li di pou kapab blanchi non. Et d'après ça, li di nan la presse, li di Léon, c'est pour li liye, mais Charles là, c'est pour famille, donc li beze blanchi non li. Nan un dossier que li di, d'après ça, li déclare non média nan capital là, et vendredi 23 et février, mais li même li di li innocent. Les blancs, les gens qui ne sont pas gagnés pour eux, dans ce qui passait dans la mort du président, contrairement à ça, et ordonnance-là, ou bien juge l'a fait connaître dans l'ordonnance-là. En allant qui ça, sans le mettre, ils font un coup d'œil pour nous sous et ancien ambassadeur Haïti dans l'EA et ancien directeur de police nationale, tout, Léon Charles. Léon Charles, ancien chef police nationale Haïti, qui c'est un personnage accusé en connexion avec assassinat président Jovenel Moïse, annoncé jeudi la démissionnaire comme représentant permanent Haïti dans l'organisation État américain, l'OEA. Léon Charles annoncé nouvelle là sous X, ancien Twitter, quelques jours seulement après rapport final, juge instruction Walter Wessé-Voltaire là, t'es détaillé accusation contre plusieurs douzaines suspects, parmi eux Charles. Rapport a accusé monsieur pour assassinat, tentative assassinat, possession à transport d'armes illégales, complot contre sécurité nationale et puis association criminelle. Charles écrit sous X jeudi que ils impliquaient une façon complètement injuste et diffamatoire.
L'aide là, gen date 21 février sous li, et Charles dit, l'a démissionné tout de suite. Charles ajouté, li pral employé tout moyen légal disponible pour combattre à toute force li, accusation yon lancé contre li, et puis nettoyer honneur li. N'a rappelé que Léon Charles est chef PNH là, le Moïse te mouri assassiné, et li se yon suspect kap fè face à accusation qui pi grave yo. Parmi l'autre accusé, il y a un ex-première dame Martine Moïse et puis ancien premier ministre Claude Joseph. Le rapport, le juge l'a dit, président Moïse tiré les Charles pendant attaque brutale qui t'a déroulé dans résidence privée en vent soleil la t'est levé, mais Charles pas fait en rien pendant 18 minutes qui t'est passé avant Moïse tiré les ou l'autre responsable replacé pour assistance. Juge là écrit pour dire Charles t'est déclaré li pat qu'arrivé kay président et li noté que monsieur pat couri aller sous scène. Rapport a dit tout que youn an principal suspect nan ka dit autorité yo que Charles t'est participé dans plusieurs rencontres avant assassinat pour comploter arrestation président. C'est ça que t'est objectif original là, mais à la dernière minute plan t'est changé pour tourner yon assassinat. Gen plus passé 40 suspects que yo déjà arrêté en connexion avec assassinat qui fait mène en prison en Haïti côté Aptan procès yo. Gen yon lot 11 suspects autorité fédérale américaine yo fait mène en prison pour mener procès contre yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Alors, et ancien ambassadeur haïtien LEA et Léon Charles, bien dans l'intervention fait dans les médias dans la capitale là, et bien lui-même lui dit que les démissions que il fait que le pendant institution l'état encore à permettre que il défende tête à permettre de dire la vérité dit tout ça que il connaît effectivement dans interview ça que il te bail média et ben il fait parler de d'abord de genèse sans les commencements incident les présidents terrels qui s'est passé et il y en a bail que il dit que nous qui détenir attention c'est que il pas gain autorité vraiment vrai sous sécurité président il dit sécurité président gain 3 et niveau sécurité qui sorti dans 4 team sorti dans sécurité nationale sorti dans l'autre sécurité donc il y a 3 qui garantit sécurité président mais il dit effectivement président et elle te fait effort pour dériver tu as des difficultés etc. Donc c'est m'a invité nous faire une recherche nous pour nous faire une interview ça son interview qui méritait pour t'entendre donc ça n'a pas aller et ancien ambassadeur censé dit que le Paris pour dit tout ça que le connaît et il dit que c'est ça comme justice décision juge la prend pour lui inculper dans dossier parce qu'il va gagner pour lui l'innocent complètement innocent et que juge là était capable pas même confronter avec l'autre monde même mais juge là pour mauvaise décision et que bien monde qui était doit inculper qui pas inculper etc. Donc c'est on le sait que n'a pas su pour toujours mais il savait n'a dit alors qui dit que et ancien ambassadeur Guy Pipe plutôt il crée plus confusion plutôt mais il dit pas pour la défendre tête lui il est disposé pour la défendre tête lui pour la blanchir non après accusation ça que juge la qui inculpé même là que officiellement pour recevoir aucun document qui dit que effectivement il est inculpé dans le dossier là nous parler dans après ça nous parler dans l'autre dossier mais une délégation haïtienne qui était en tête ministre affaires étrangères haïtien et Généus, eh bien, et Jean-Victor Généus, eh bien, il a été trouvé dans Rio de Janeiro, Brésil, sous invitation, et particulièrement délégation américaine, quand il était en réunion, et ministre affaires étrangères G20, qui était en rencontre, qui a préparé le prochain sommet leader qu'il pour faire au Brésil, là, et dans fin année, eh bien, ministre affaires étrangères était réuni d'avoir pu discuter questions régionales, conflits, et puis les relations entre eux-mêmes, etc. Mais tout dossier Haïti a été fait, et qu'on l'autre réunion a été faite en marge avec de gros rassemblements. Et bien là-dedans, le ministre était là avec trois autres membres, et que ça représentant avec lui, comme un haïtien qui était sorti dans l'ambassade d'Haïti au Brésil. Et bien justement, dans la réunion, ça. Et depuis la veille, le ministre des Affaires étrangères, alors le secrétaire d'État américain, André Blinken, a déjà parlé avec le président brésilien, Luiz Inácio da Silva, non, en contact à tête de gain. Quand il a parlé de nécessité pour que le Brésil t'aide et contribuer, aider Haïti à soutenir sa légion, et que
leader brésilien dans déclaration qui te fait, il semble que il dit que le dossier Haïti a pire mal que ça, que vous comprenez. Son dossier qui pire, et c'est pas sécurité seulement. Mais de toute façon, ce que les États américains ont leur mission dans même tout, c'est arrivé à parler avec participants. Et bien, il y a environ, en compte ça que tu fais, que il parlait avec participants, et bien, il y a environ 12 parmi au Canada qui promettent plus haut pour tes assistants. Et qui d'accord tout, sous nécessité pour une force multinationale, une force police multinationale, qui est en Haïti pour aller aider, garantir sécurité, qui est capable de déboucher sous élection, que la communauté internationale a parlé de. Donc, Canada parmi les pays qui peut coller, il y a l'autre pays tout qui dit, il y a bas et soir, assistance financière, il y a un autre pays qui dit à bas assistance technique, il y a un pays qui dit à bas assistance humain, il y a beaucoup de monde qui participe dans la force multinationale, ça, mais pas une date qui est fixée. En tout, il y a 120 millions de dollars qui sont paris, qui sont des engagements, comme il n'a pas déposé cash, non, mais comme là, c'est des engagements que le pays reprend. Mais Canada dit même, et en la présence du ministre des Affaires étrangères canadien, Mélanie Joly, et bien, il dit que le Canada promet pour 85 millions de dollars, en plus de l'autre 40 millions de dollars que le Canada a disposé pour sécurité, pour ces deux autres facteurs, etc. Donc, le Canada dit même, il parlait de l'agence à tout. Donc, en réponse, le gouvernement haïtien bat bravo pour assistance ça, et tout le pays mettait d'accord que, effectivement, il y a nécessité pour aller garantir, c'est pour aller aider Haïti. Dans la situation que liée, je dis à, et on a qui mesure que la paix est capable de retourner dans le pays encore. Ici, Washington, il est jeudi 22 février, c'était un gros encore. Dans le tribunal de Washington, côté que dossier nous appelait nous en septembre 2021, c'était un groupe, on, en fait, plusieurs centaines, c'était plus de 100 000 monde qui démassaient en bas pont de Rigueur au Texas. Justement, et ça t'a attiré, attention, ça fait un gros scandale. Et c'est des immigrants qui sont sortis haïtiens pour plus fort, et tout l'autre monde qui est sorti dans l'Amérique centrale là. Et bien, ils venu justement pour être venu aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils étaient massés en bas pont de Rio à côté que le gouvernement américain a fait place pour eux pour mettre eux là. Eh bien, il y a un groupe garde national qui était sous cheval. Et bien, un bon matin, monsieur, commencé à caler quelques immigrants. Parmi eux, c'était haïtien, commencé par quelques coups de cash. Mais personne ne peut connaître la raison que à la base de la décision garde national ça qui était sous cheval là qui t'a calé. Et bien il y a un groupe militant qui a défendu haïtien yo parmi yo Haitian Bridge Alliance, et bien eux-mêmes ils ont porté dossier, ils ont déposé plainte contre l'administration, ça s'est passé en décembre 2021. Après un pile temps, puis aller monter descendre, gouvernement a été lui-même demandé pour te et vous qu'a j'étais qu'à dans poubelle parce qu'il pas de ba encore. Mais militants eux-mêmes ont décidé de quitter le dossier devant le tribunal et un juge de Washington était en de et plaignant yo. Et il était d'accord pour que, parce que à la base, c'était plaignant qui voulait ajouter plus de monde, plus de victimes, parce que d'après ça, il y a plus de monde qui était là, de lui ajouter monde. Donc au total, il y a 11 monde actuellement dans le dossier. Mais je lui ai demandé, oui, il y a jusqu'à 8 mars pour que plaignant, mon cap défend haïtien, pour qu'il ajoute plus de monde. Dans la plainte qui a été déposée en décembre. En dans les déclarations, Nicole Phillips, qui est membre équipe avocat Cap Defend et Haitian Bridge Alliance, qui est une partie prenante dans le dossier Haïti. Nous réussissons parce que nous dit que nous voulons plus de temps pour nous capables d'ajouter l'autre plaignant qui était touché, qui était impacté par, qui était en bas pour un an de Rio. Nous demandons pour ajouter plus de plaignants et puis le juge est d'accord. Il dit nous avons droit et nous avons droit amender plainte là pour nous capable ajouter l'autre monde et puis après ça n'a gagné une autre audience dit pas non 2-3 mois et pour avancer dossier. Alors avocat cap défendre gouvernement même qui était présent c'était aux deux et bien il a même été montré juste la raison nécessaire. Nous réussi parce que nous dit que nécessité pour la guerre, ou bien pour que y ait des cas, ou des cas dans la poubelle, parce que titre 42 qui était appliqué dans l'époque là, pas de mise en cause, donc il n'est pas existant encore depuis combien de temps il est déjà éliminé. Mais il a été demandé cette étape pour mauvais précédent, si ça peut être fait, pour pas ajouter l'autre monde dans le dossier encore, c'est raison qui a été voulu. Mais je l'ai dit non, dit Bayo, étant donné qu'il est parti haïtienne, ou bien parti cap défendre immigrants haïtiens jusqu'au 8 mars, mais il dit que parti cap défendre et gouvernement, et bien, même jusqu'au 15 mars, les receveurs de dossier pour répondre si oui ou non d'accord avec proposition, bien, amendement que l'avocat plaignant a offert
entendre et Galin Joseph lui même tout qui c'est responsable Hessian Bridge Alliance lui même qui était là tout et qui était t'attendre qui était en audition ensemble avec quelques clients alors n'a pas eu quelques victimes qui était là alors nous là son total de 11 mais dans le tribunal là il y a 4 qui étaient présents Galin Abdino lui même comment sent-il après décision tribunal là nous trouver que les nécessaire que nous mener la justice et pour nous capables de combattre contre l'injustice qui gagne dans le système migration hein, et pour nous capables de centraliser causer anti-noir qui gagne tout. Alors nous commencer à joindre des résultats et nous fait tout le monde connaît que nous à continuer bataille là avec tout plaintif que nous gagnons qui fait 11 pounya en faveur de plus que 16 000 personnes qui étaient passées en pile abus, en pile tribulation en bas Pont del Rio en septembre 2021. Nous trouvons que les nécessaires. Attendez là, ou bien regardez là, l'absence directement dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC, grâce à un support technique et collègue nous, Fred Kaimit, qui lui-même a pu aider nous préparer l'émission, ça a été dans l'air pour nous. À pompose. Actualité à mener dans le pays d'Haïti, côté ancien sénateur Maurice Jean-Charles, député de Saline, eh bien, il n'est pas suspendre. Lance l'appel pour une manifestation qui était allée pour déchouquer ou bien encore déboulonner et pour le ministre Ariel Henry sous pouvoir, une manifestation qui a déjà été lancée depuis 7 février, et bien qui n'a pas beaucoup de résultats, mais ancien sénateur qui s'est dit depuis 10 ans, et bien il est mort du Christ, il dit même qu'il n'a pas balayé, et bien il a convoqué le peuple encore dans l'autre manifestation encore jusqu'à ce jour résultat à la chercher. Rien tout ça. Moïse Jean-Charles, qui rencontrait la presse jeudi 22 février 2024, annonçait reprise mobilisation contre Ariel Henry sur toute étendue territoire national à partir dimanche 25 février 2024. Mobilisation, n'a pas mettre encore 4 pays, pas qu'en mobilisation. Dimanche qui a venu là, devant l'ambassade Canada, pour n'a rien l'amour, pour nous toucher le monde, pour nous toucher le monde, pour nous dire. Maintenant qui ça, États-Unis mettez nous. L'un sorti de l'ambassade, nous pouvons aller devant les munitions. Et nous invitons tout le monde. Parlez-nous dans notre hôtel. Munitions descendent. Nous pouvons chercher. Ancien sénateur Jean-Charles dénonçait la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, lui estimait qui parlait Premier ministre Ariel Henry remettre pouvoir. Lui évoquait comme exemple des marches les États-Unis entreprennent. Pour faire force multinationale là, venir en Haïti. L'armée qui a envahi l'Irak, il a changé trois gouvernements. Si toutefois il y a une transition, vous mettez un gouvernement intérimaire, comme il n'y a pas rempli mission, il n'y a pas de la paix, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection, c'est démasqué. Il plaidait en faveur du support pays la Russie avec la Chine dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça que fait, nous invitons le monde, nous invitons la Russie qui est dans le Conseil de sécurité. Nous invitons pays la Chine qui est dans le Conseil de sécurité. Pendant 7 ans, nous ne parlons pas le matin pour continuer africain. Il y a un gros mouvement panafricain qui a fait dans le continent africain. Nous invitons tout le commentaire pour finir de nous. Pour nous comment nous avons démasqué Ariel Henry. Pour nous comment qu'a dénoncé les États-Unis. Moïse Jean-Charles demandait aux Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour ne pas voter Joe Biden dans l'élection novembre 2024 s'il ne bail coûte mes pales pour retirer le Premier ministre Ariel Henry sous pouvoir dans le moment la vie chère, insécurité, chômage, tout le monde pas qu'à l'école avec plusieurs milliers de monde qui courent, quitter la caillou pour ne pas victime en babal gang armé. Pendant ce temps, tout parler qu'a fait là yo, Premier ministre Ariel Henry a obtenu rivé mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour venir aider PNH rétablir l'ordre et sécurité dans le pays dans objectif pour faire révision constitution et organiser élection générale pour renouveler personnel politique. Ou est-ce que vous avez créé?
Merci Renan, nous pourrons aller dans l'autre nouvelle qui a devenu l'actualité, c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ. Et bien, nous rappelons que dernièrement, là, il y a eu Baïkane, donc il y a eu renouvelé des contrats, il y a une trentaine de juges, qui a l'autre dossier qui a demandé pour approfondir, et il y a l'autre encore juge qui n'a pas renouvelé des contrats, c'est une douzaine environ, que pour raison que, et, ou proche ça, quelque part, ou proche ça, il y a un conduit ça. Et puis, il y a une que, normalement, yo mettez la tête net, ni même yo dit parce que dossier il semble que document scolaire dans ça que il semble être l'école dans l'école du droit Jacques Mella mais dossier qui n'est pas correspond pas code jom donc c'est SPJ et voyez dossier ça après jouer le ministre de justice là qui lui même pour officiellement renouveler contrat ou bien mandat juge. Mais en attendant, il y a l'autre juge, c'est juge, et, monsieur, juge, Al, Daniel Dimanche. Un juge qui fait parler récemment, et qui était responsable dossier, et CNEO, c'est Centre National d'Équipement. Et bien, juge là, lui-même, et bien, il mettait en prison déjà, et n'a pas les présidents de chambre députée, ancien président de chambre députée, et qui, Charles Chancy. Qu'elle mettait en prison pour détournement de fonds, détournement de biens publics, etc. Et puis, il y a un paquet de l'autre monde que rapport et ULCC a été accusé qui a gagné détournement de fonds, de biens publics, qui a gagné dossier, CNN en main, ou bien encore, qui a un document, ou bien encore matériel, CNN en main. Et bien, juste ça, il trouvait que c'est SPJ qu'on a demandé, monsieur, fonds, ou là, fonds campés sous dossier ça. Parce que il n'est pas qualifié pour continuer le dossier. Raison tout simplement parce que le mandat fini depuis 29 janvier, bien que juge là, qu'il est à Daniel Dimanche, et bien, monsieur dit que lui-même, le mandat n'est pas fini. Donc, CSPJ a informé la police tout. Donc, alors que juge là, tu es fait pour conseiller de décisions locales. Par local et CNE possédait deux locales liées, une dans Cité Soleil et une dans l'autre zone de la capitale là. Il était même été positionné sur le local de Sao, et bien qu'on y a un dossier ça a campé. En plus, on a posé la question qu'on y a, ça a passé exactement avec une entité ou bien une monde que monsieur est déjà en prison et peut-être mandat pour que l'on déjà émette contre nous, c'est de l'autre ancien fonctionnaire l'État haïtien. Est-ce que le dossier Sao ou bien est-ce que le mandat Sao est valable ou pas? Ou bien est-ce que le commissaire gouvernement lui-même, il peut aller mettre dossier CNE ou bien encore dossier CNE bail ont l'autre juste instruction qui pour faire suivi avec rapport ULCC t'est publié récemment donc son dossier qui était tout ouvert que n'a pas pour nous connaître qui genre résultat ça il pourra aller arriver qu'on est là mais entre-temps manifestation déroulée tout en faveur ancien député et qui est ancien président chambre député à tout et choses elles sont si dans communique qui c'est naïni. Une manifestation déroulée, supporter lui, qui, monsieur, bon, pas si politique, il est assez, et qui m'a dit justement pour libérer un ancien dirigeant en Patia, qui est en prison, qui est exactement 22 février, à ce fait, un mois, depuis que il est en prison, sous accusation, comme quoi, il a détourné, et propriété de l'État, ou bien encore propriété, et CNE, qui est Centre National Équipement. Non, l'autre point encore qui est sensible de l'actualité, le gouvernement haïtien a annoncé qu'il va construire une vingtaine d'édifices, ou bien encore bâtiments publics, bâtiments scolaires, grâce à l'argent que nous-mêmes, qui avons gardé là, nous baillons dans les fonds nationaux d'éducation. Toujours assez au même cas l'étranger qui a voulu un petit transfert en Haïti, eh bien, laisse à l'État. Sur chaque transfert que nous voyons, l'État prend 1,50$ et sur chaque appel téléphonique que nous faisons, l'État prend 5 centimes. C'est un projet qui était dérapé, ou bien une initiative qui était dérapée depuis sur l'ancien président Michel Martelly. Eh bien, l'agence, d'après ça, le gouvernement dit dans la réunion que l'État fait, eh bien, il dit que c'est dans l'agence, ça va le prendre pour construire. Et 20 bâtiments scolaires, qui surtout pour département de l'Ouest, y compris jusqu'à Léogane, Nagonave, et zone Croix des Bouquets avec quelques autres encore, mais c'est 20 bâtiments scolaires. Flambant neuf, qui a bien tout ça qu'on l'école normale doit gagner là-dedans et pour fonctionner. Donc, c'est annonce ça que le gouvernement fait. Malgré les difficultés que le gouvernement fait, cette protestation, le monde cap fait contre lui, le gouvernement a mis entre temps l'avancer dans l'autre direction et l'a réalisé des projets qui étaient certainement et besoin dans le pays. Nous parlons toujours pour nous dire que
Non, Marigot, par exemple, Maïssa Marigot, il ben, a décrété 3 jours de, c'est d'abord 22, 23, 24 et février, en faveur de 16 personnes qui étaient victimes, qui étaient mortes dans le cas pendant qu'elle a assisté aux funérailles, dans ce gain qui est dans le sud-est pays d'Haïti, et bien, Maïssa a décrété de ça, il y a un peu de Paul qui a parlé, il a semblé même, mais l'autorité a même enterré Mounio. Et sans que il n'y pas de enquête ou faire encore autopsie pour ta fête pour ta jeune vraie cause c'est ce monde ça qui t'a mouri dans en dedans chambre ça alors que t'as assisté une funérailles dans zone là il y a seulement un seul monde qui va mourir et ça c'est le monde ça de l'hôpital et la pour recevoir soin et puis dans l'autre gros point qui s'en sert de mon actualité c'est une petite actualité sportif bah la gagne nous comme ça mes amis mais je dis à la sélection nationale Haïti a U20, c'est un champion masculin U20 qui trouve actuellement dans ce qui est le vice, qui a prêté en compétition, ça c'est phase éliminée de la Coupe du Monde et FIFA qui est boudé au Chili et U20. Donc, monsieur Abdérapé là, il a rencontré avec Zile Karima, on a été pour le résultat parce que Haïti déjà traversé plusieurs phases déjà, nous passons dans U17 féminin, nous pas arrivé et qualifié pour la phase finale ça. Nous allons dans mesdames yo qui sélection senior là yo échoué dans coupe d'or CONCACAF là dans croisant match de barrage qui projet contre Puerto Rico yo perdu 1-0 mais ça a été joué et n'a pas pour que tout ça a commencé déjà sans participation d'Haïti et puis qu'on a nous gagne équipe U20 qui dans bataille pour nous est-ce que nous capable tajou nous place au moins mais c'est première phase là n'a pas pour nous de tajou nous on place dans coupe du monde et ça qui vient pour dérouler au Chili et puis mes amis fanatiques football et yo a babier gè moun ki pa content gè moun ki content tout le fait que un tribunal espagnol condamné footballeur brésilien Dani Alves pour plainte qu'il est déposé pour lui contre lui en Algérie Gentil Augustin qui était jeté un coup d'œil sur dossier ça pour nous. Pigro tribunal catalan lan condamné ancien footballeur brésilien Dani Alves pour passer 4 années et demi en prison pour zak ka déjà li fè sou yon femme nan yon night club Barcelone dans l'année 2022. Nous pral fè appel contre sentence lan. Moi continuer croire et défendre innocence monsieur Alves. Monsieur Alves posé. Équipe légale Dani Alves là pral fè appel contre condamnation pour ka déjà après yon incident nan yon night club Barcelone dans l'année 2022. Avocat ancien étoile brésilien Inès Guardiola te dit reporter yo de yo tribunal là li croit que client li était innocent li te continue pour dire comme ou konnen 4 l'année et demi pi bon passé 9 au soit 12 l'année que la justice ak victime nan mandé jeudi 22 février 2024 là tribunal supérieur nan région Espagne la Catalogne mette Alves nan prison pour passer 4 l'année et demi et li bay lord pour payer victime 150 000 €, ou soit $163 000 comme compensation. Après sentence ça, quelques Catalans ont réagi. Papa Alcaraz, retraité 84 l'année, te dit. Li injiste que moun a fait bagay ki pi mal passé ça, et puis yo pas joint attention média yo, que ça te bay, ou soit année que li pral pran yo. Moi considéré ça comme yon abi, et yo te fait li parce que li se Alves. Se yon moun ki très connu. Hélène Bosso, yon professeur 49 l'année, gen yon opinion différent par rapport ak papa Alcaraz, retraité 84 l'année ya, ki se fanatique Barcelone. Ah, effectivement, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a le droit de tout faire dans la vie. Et je pense que effectivement, ben, même si on a de l'argent, on peut pas se permettre de violer quelqu'un. Au contraire, je pense que ça pourrait même permettre d'être en avoir plus. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir plus d'études, plus de choses du coup qui sont connues. Et c'est impossible. Enfin, moi, je vois pas du tout comment on peut réduire une peine de prison avec de l'argent. Agustina Gomez, yon service argentin, 30 l'année dit. Pensez qu'elle est bon. Mais oui, quelques années en plus, pas tap fait mal. Procureur te mande yon sentence prison 9 l'année pour Alves et victime nan te mande 12 l'année. Mais tribunal la bali 4 années et demi et pour le payer victime nan yon compensation. Alves te essaye tout, servi ak le fait que li te boue comme allègement. Mais tribunal la te rejete li. Défenseur 40 l'année, ancien Barcelonais. Alves gagne plus passe 40 trophées pour Brésil à club li tankou Barcelone, Séville, Juventus,
ak Paris Saint-Germain. Après arrestation li, Mexicain Unam Pumacio te révoqué li. Gentil Augustin Junior, Miami pour VOA Creole. Merci Augustin, et alors dans radio sur programme radio sur télévision jeudi à jeudi vendredi qui c'est 23 février, mais nous présentons un bon bagage, nous préparons un bon programme pour vous. Nous parlons surtout de sanctions que les États-Unis ont posées contre la Russie, hein. Nous parlons autour de et l'autre programme qui gagne en cours, par exemple décision tribunal et dans Washington en prend pour permettre que pliant dans dossier immigrant haïtien et bien plus amendé, plein que de déposer contre l'administration en décembre 2021, donc il y a ajouté plus de victimes là-dedans. Nous avons parlé autour de situations, de manifestations, par exemple, supporter ancien et depuis chez président chambre député à Charles Sancy et cap prendre libération li. Et puis il gagne tout sitting tout cap faire manifestation cap faire tout pour contre premier ministre Ariel Henry et n'a pas pour parler autour de situation dans Moyen-Orient très certainement Jacques Mbédiza qui la cali jeudi a gagne pour lui font coup d'œil pour sur grand point ça yo et puis nous va parler autour nouvelle souveraineté jeudi à nous va parler un petit peu de sa capacité dans Etchamayla avec et Jude Onse et puis Rodriguez comme d'habitude bien tout la vienne avec ti Grenzel Pal pour mettre la dani et nous va parler de tout ba ça donc c'est un petit programme qui parler en plein et déjà n'a déjà souhaité vous passer un très bon week-end jeudi à c'est vendredi et de visa pas changé rien pas changé soup a conduit jeudi à rappelons qu'on pas alors pendant tout week-end non ou pas consommer alcool et sous consommer alcool ou pas conduire. Passons bon week-end, mais n'a pas pita à 4 étapes sous VOA Creole. Bonsoir tout le monde.